Le jury ici, très rapidement et pour faire simple, est composé de 6 juges, 4 qui déterminent les fautes d'exécution et puis 2 qui déterminent la note de départ, c'est-à-dire la valeur de l'exercice du gymnaste. Aurélie Lacour donc, la meilleure spécialiste française de gymnastique rythmique, surtout depuis la jeune retraite, dirons-nous, d'Eva Serra. Belle démonstration pour la jeune Aurélie qui, nous le disions, a pris la succession difficile d'Eva, car il faut savoir quand même qu'Eva Serrano a été le porte-drapeau de la gymnastique rythmique. À l'époque, on disait GRS, gymnastique rythmique et sportive. Maintenant, c'est gymnastique rythmique française pendant 5 à 6 ans, tout de même. Voilà, et je pense qu'elle va continuer encore longtemps aussi d'être représentative pour la gymnastique. Et elle est actuellement ici parmi nous au jugement, justement elle a franchi la barrière en quelque sorte et poursuit une autre carrière. Aurélie que l'on voit au ralenti au ballon. Le ballon qui est un exercice où la gymnaste doit exprimer particulièrement toutes ses qualités.